Salut les loulous, c'est Soma. On se retrouve aujourd'hui sur un tout nouveau let's play sur la chaîne. Il s'agit de God of War. Alors vous allez me dire, mais God of War, il n'est pas arrivé premier au niveau des votes sur le choix que je vous ai laissé pour un tout nouveau let's play. Eh ben écoutez, je me suis dit, voilà, le jeu qui a gagné les votes que je vous ai proposé parmi les trois jeux avec Final Fantasy XIV et donc God of War, c'est Desolate. Desolate donc qui prendra la place de Subnautica au niveau des horaires. Et il y avait peu d'écart de vote en fait entre God of War et Desolate. Il y avait 3 votes d'écart, 17 pour Desolate, 14 pour God of War. Je vous avais dit dans la vidéo de présentation des votes que de toute façon, même s'il n'arrivait pas premier, moi j'y jouerais de mon côté. Et je me suis dit, bah pourquoi pas partager mon expérience de jeu avec vous. J'ai la possibilité de le faire, j'ai le planning pour. Donc désormais, du coup, ce let's play supplémentaire qui est aussi nouveau sortira les mêmes jours que Desolate. Donc les mêmes jours du coup que Subnautica auparavant. Et ce sera sur les coups de 18h, voilà, 2 fois par semaine. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, parce que moi je suis vraiment content de pouvoir jouer à ce jeu avec vous. Alors sachez que dans ce type de jeu je ne suis pas très doué, donc on risque de bien se marrer, je risque de rager aussi un peu, voilà, il risque d'y avoir pas mal de fails, mais j'adore la série God of War. Alors God of War, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action aventure un peu typé beat'em up, hein. Pour les 3 premiers épisodes plus les épisodes PSP se déroulait dans la mythologie grecque, et là donc officiellement dans la série c'est le 4ème épisode, même s'il n'en a pas le numéro. Et on va retrouver donc Kratos, le personnage principal de tous les épisodes, quelques années plus tard, après avoir eu un fils. Et cet épisode va se dérouler dans la mythologie nordique. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Après, God of War c'est un jeu qui a toute la série, et cet épisode qui est développé par le studio Santa Monica, qui est basé aux États-Unis. C'est un studio qui appartient à Sony, donc c'est Sony qui édite le jeu, et c'est une exclusivité PlayStation 4 Pro. Et pour info, pour rappel, hein, je l'avais déjà dit sur la série Ni no Kuni, mais je tourne les épisodes avec une PlayStation 4 Pro, voilà, ce qui permettra d'avoir une légère amélioration graphique par rapport à une PlayStation 4 normale. Mais God of War a été vraiment très bien réalisé et programmé, et il y a peu de différence entre les deux versions, voilà. Donc par contre, je vais regarder vite fait un peu les options, parce que je voulais voir ça avec vous. Donc la caméra, didacticiel, oui, vibration de la manette, ok. L'ATH, donc c'est tout ce qui va apparaître à l'écran. On va laisser en normal. Caméra, je m'en fous. Audio, alors on va mettre un peu de son, parce que pour l'instant, j'entends pas grand chose. Et je voudrais pas que l'intro soit trop basse. Voilà, on va sous-titre, on va mettre 100. Le jeu est intégralement en français, aussi bien au niveau des textes que des dialogues. Et à première vue, les dialogues français sont vraiment pas mauvais. Je vais garder favoriser la résolution, parce qu'on peut choisir la performance. Mais le jeu, franchement, il est programmé aux petits oignons. Et donc, je préfère miser sur les performances graphiques. Accessibilité, alors qu'est-ce que c'est? Bon, je vais laisser les réglages de base. La langue, on est bien en français partout, sans sous-titres. Tout ce qui va être parlé dans le jeu, je vous laisserai écouter. Les commandes, on les découvrira quand on en aura besoin. Et on est parti les loups, allez. Ah, la difficulté. Alors, le mode histoire s'adresse aux joueurs qui désirent découvrir l'histoire sans vivre une expérience de jeu trop ardue. Donc c'est le facile. Normal, difficile et extrême, j'imagine, qui est bloqué pour l'instant. On va faire en normal. On verra bien ce que ça donne. Un arbre avec une empreinte de main. J'ai le ventilateur de la PlayStation 4 qui tourne au taquet. J'espère que ça s'entendra pas trop. Ah mais il n'y a pas de transition, rien. On est cash dans le jeu, quoi. Enfin dans le jeu.
C'est nous qui interagissons avec la hache. Ouh, il est vénère, Kratos. Ouh, qu'il est vénère. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Il rigole zéro quand même. Ok, donc Kratos qui a bien vieilli, hein, qui a la barbe en plus maintenant, comparé aux anciens épisodes de la saga. Les transitions sont juste extraordinaires. Il n'y a pas de chargement. C'est le moteur du jeu pour les cinématiques est le même que le jeu. C'est assez impressionnant. Ça suffira. Alors, descendre la rivière. Ok. C'est super beau. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Alors, je préfère ne pas trop parler pendant ce démarrage, hein, pour tout ce qui se fait un peu automatiquement, pour laisser un peu l'ambiance du jeu m'imprégner et vous imprégner aussi. Donc là, c'est moi qui dirige, hein, bien sûr. Alors, il porte son tronc d'arbre comme un ballot de paille, quoi. Un petit ballot de paille. Hein, c'est Kratos. Hein. Alors, il faut savoir que Kratos, il est considéré comme un dieu, presque. On va dire un demi-dieu, un peu comme Hercule. Mais il a vraiment atteint le statut de dieu, hein, dans les épisodes précédents. Donc. C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère.
voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as vie à chasser? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Sacrée immersion, hein, pour ce début de jeu. Donc à première vue, hein, Atreus, donc le fils de Kratos qui a perdu sa mère, et donc Kratos qui a perdu sa femme. Je peux t'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne. Ça dépendra de toi. Allez. Alors, le jeu est juste magnifique. Et encore, c'est que le début, hein. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Des traces, mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. D'accord. Paramètres de la caméra. Ça m'a l'air... On verra ça plus tard. Ça m'a l'air bon pour l'instant. Alors on va suivre un peu le tuto, hein. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Rond. Objet trouvé. Nouvel ensemble d'artefacts. Jouet trouvé 1 sur 4. D'accord. Donc il y a des collectibles. Quand on aura trouvé les 4 items de cette collection, on gagnera 350 points d'XP. Ok.
Donc les services, les travaux, carte au trésor, artefacts et le voyage. Donc ça, c'est les quêtes. Ça marche. Donc je pense qu'il faudra bien farfouiller un peu partout, vous voyez. Là, mon objectif étant de passer le pont. Ah bah voilà. Mais voilà, il y a des choses à trouver à droite à gauche. Donc là, je sais pas ce qu'on a eu. De l'argent. Donc il y a une monnaie. Il y a une monnaie, il y a une monnaie. Et du coup, il va y avoir des items à trouver un peu partout. Alors je sais pas si on peut escalader sur ce God of War. Je ne pense pas. Voilà, on ne peut pas sauter. Mais voilà, il y a des choses à ramasser. Des collectibles. Encore de l'argent. Donc on est arrivé par là. Attends, tu as raté celle-là. On se rapproche, mais c'est pas un cerf. Tu vois, le bout est trop large. Une chèvre sauvage, peut-être. Ta mère t'a bien appris. Oui. Les empreintes de pas et tout dans... Ah ouais, c'est super bien fait. Ouais. Le détail. Bravo, bravo, bravo. Pour l'instant, je suis un peu bluffé par le jeu. Je suis complètement et littéralement pris par les environnements et la beauté du jeu pour le moment. C'est assez envoûtant en fait. Encore des traces? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula. Et maintenant? Par ici, Atreus. Allez, saute, mon grand. Bien. Très agile, le petit. Alors, on peut farfouiller. Alors là, on est plus ou moins guidé. Hein. Alors, c'est pas un monde ouvert, hein, God of War. Enfin, ni les épisodes précédents, ni cet épisode. Vers l'avant, appuie sur rond pour franchir un obstacle. Ok. La marche. Oh, magnifique. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Alors, je prends le temps de farfouiller à droite à gauche. Hein. Voilà, pour trouver les items. Voilà, les coffres. Alors, j'aime bien comment il ouvre les coffres. Hein. Alors, c'est du Kratos tout craché, ça. Y a pas photo. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. On est plutôt bien. Donc, on va suivre le fiston. Alors, on va aller prendre ce qu'il y a là. Oh. Alors, il y a une chaîne, mais je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit pour le moment. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. J'ai une hache, mon petit. Équiper la hache. L2 pour viser. Et. Yeah! Vas-y. Ça, c'est la classe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, on peut la rappeler. Ah ouais, c'est une hache boomerang. Comment on passe, nous? Ah, voilà. Le voilà. Attends. Ah, il est vraiment trop beau. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Donc bah c'est bien du Kratos. Il rigole zéro quoi, hein, même avec son fils. Alors là je fais rien. Hein. C'est automatique. Non, tu n'es pas prêt. N'approche pas. Hop là. Ouais, on peut le récupérer au vol.
Alors on n'a pas une garde. Ok. Alors L1 pour bloquer, ok. Appuie sur L, ok. Ça marche. Et est-ce qu'on peut faire... Oh. Je me suis fait eu. Ah, je vous ai dit, hein, je suis pas un expert dans ce genre de jeu. Ce que je voudrais faire, c'est ceci, voilà. Yeah! Ok, on va chercher un peu les nouveaux travaux. Alors, travaux. Faire tomber les ennemis. Ah, d'accord. Ennemis renversés. Il y a plusieurs façons de renverser les ennemis. Essayez de lancer votre hache dans leurs jambes avec R1. Ok. Ah, d'accord. C'est des espèces d'objectifs d'élimination et de... Ok. Oh, on essaiera. Nouvelle entrée ajoutée au journal. Donc le bestiaire, des drogues, des drogards. Je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Je ferai ça hors caméra, moi. Ils s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. Avance. Donc moi je voulais farfouiller là avant que on me mette en auto sur. Ok, y a rien. Allez, on reprend le chemin qu'on nous indique. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh. De la vie. Yes, c'était de la vie. Ok, un chemin là. Il est parti là, le petit. J'ai bien envie d'aller voir là avant, en fait. Je fais le curieux. Ah, pour l'instant, le jeu démarre vraiment bien. C'est assez impressionnant. Alors, on a un coffre avec 3 runes. Tu crois qu'on a le droit d'être là ? Donc, je dirais... Ah oui, il faut la rappeler. Ok. Ensuite, c'est un R. Non. Ici. Et ici. Parfait. Des cadeaux. Des pognons, ça, c'est quoi? Pomme d'Idoun, légendaire. Vous avez collecté une des 3 pommes d'Idoun nécessaires à l'augmentation de votre santé maximale. Donc ça, c'était déjà le cas dans les précédents God of War. On collectait des objets pour augmenter nos jauges. Les jauges d'Idoun sont la nourriture privilégiée des dieux. Au total, 9 pommes sont cachées dans le monde dans des coffres scellés magiquement. Dès que vous en collectez 3, votre santé maximale augmente. On peut casser ces trucs-là. Alors, est-ce qu'il y a des items à y récupérer? Ah bah oui. On va faire de la casse dans ce jeu. Ok, donc ça c'est vu. Il y avait un autre chemin à gauche. Je vais aller jeter un œil aussi. Je sais pas si on peut courir ou sprinter. Le cerf est par là. Je vois d'autres traces. Ouais, y a pas de problème. Sinon... Encore des sous. Je visite mon petit, je visite. Attention à ne pas tomber. Voilà, on peut pas aller plus loin. Allez, je te suis. Je
On peut l'enchaîner. D'accord, on le soulève et on le rabat au sol. Ça marche. Découvre un peu les enchaînements. Hein. Qu'on est plutôt... Je suis... Ouais. C'est magnifique. Ah, il est là. Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. J'aime bien les phases de dialogue comme ça, en plein jeu. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. C'est bien. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Là, regarde! Alors, en combat, la jauge de santé des ennemis apparaît au-dessus d'eux lorsqu'ils subissent des dégâts ou sont visés par Kratos. Ah, dans les jambes. Je fais ces deux-là. Nickel. J'ai pas perdu de vie. C'est pas fini. Ah ouais, cet enchaînement est vraiment efficace. Hein. Alors, du coup, le truc de vie, j'en ai pas besoin. Bestiaire mis à jour, nouvelle astuce ajoutée. Voyons voir, drogue. Les drogues manient des armes mortelles, mais ils ne les maîtrisent pas, contrairement à Père et sa hache. En les observant, il est facile d'esquiver ou de parer leurs attaques. Ouais. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle s'ouvre. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Il faut que je fasse... Ah! Nickel! C'est excellent ce système avec la hache. Hop! Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là. Ouais, peut-être, mais moi je veux visiter. Oh, excellent! Il monte sur son dos pour grimper. C'est génial! Oula, ça, je risque de me faire péter la tronche si je le tape. Ça, je peux pas le bouger. Donc ça, c'est de la vie. On va farfouiller, on farfouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Atreus, par ici. Oh, regarde ces scoliatis.
Les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça tout le monde se bat. Nouveau travail, au-delà du mythe, 1 sur 11. Trouver toutes les fresques Jotnar. Ah, mais il va y avoir énormément de choses à faire. Nouvelle fresque trouvée. Skoll et Ati. Bon, à première vue, on ne peut pas passer là. Donc, on descend, on va reprendre le chemin normal. Allez, petit. Alors, il y a encore un truc là. Je peux pas passer. Et là-bas... Un petit coffre. Il n'en a plus l'utilité. De l'argent. Nous aussi. Alors je risque de pas souvent parler pendant ce let's play, j'en suis désolé, mais l'ambiance est tellement excellente. Attends mon signal. Détends-toi, essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible, vide ton esprit. Solide sur tes appuis, ne bouge pas. Expire et lâche la corde. Bien. Il faut pas le laisser souffrir par contre. Il était trop beau. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas. Vaincre le troll. Alors, flèche d'Atreus. Appuyez sur carré pour ordonner à Atreus de tirer des flèches. Maintenez L2 puis appuyez sur carré pour viser un ennemi spécifique. Les ennemis touchés par les flèches interrompent leurs attaques contre Kratos. Waouh. Le nombre de flèches qu'Atreus peut tirer est indiqué en bas à droite. Une fois tirées, les flèches mettent du temps à se recharger. Laisse mon fils tranquille. Mais non.
il rigole zéro avec sa masse. Hein. Oh la vache, là, il est pas vu là. Oh, là, il faut en profiter. Il est vénère, le truc. Je crois qu'on peut viser sa tête, mais c'est vraiment pas évident. Alors j'ai vu de la vie quelque part. On va aller la prendre hein, parce qu'on est. Waouh! Il a l'air d'avoir des points faibles sur lui, mais. C'est un sacré bestiau. Hein. C'est chaud hein. Je suis désolé, je suis concentré, je commente pas énormément mais. Allez bien quoi. R3. Oh la vache. Ah, je crois que t'as énervé Kratos. Les bons finishes à la God of War. Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? Il est un petit peu énervé le petit. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait une preuve. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Sans XP obtenu. Alors, dans cette arène. Je ne veux plus t'entendre. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Mort aux trolls. Nouveau travail d'élimination. Donc tuer 3 trolls, 6 trolls, 10 trolls. Ok. Bon, il n'y a rien d'ici à récupérer. Bestiaire mis à jour, donc ça va être le troll. Dodi, Copmard. Qu'on a eu de l'argent en récompense, en plus de l'XP.
On va se remettre à fond. J'ai pas oublié quelque chose ici, non. Alors, des drones. La jauge d'étourdissement des ennemis se situe sur leur jauge de santé. Lance une série d'attaques répétées contre l'ennemi pour infliger des dégâts d'étourdissement qui permettront à la jauge de se remplir quand elle est pleine. L'ennemi est étourdi, appuyez sur R3 pour saisir un ennemi étourdi. Les flèches et les attaques à main nue infligent des dégâts d'étourdissement supplémentaires. Kratos peut passer en mode main nue en lançant sa hache ou en la rengainant en appuyant sur D'accord. Oh, on va tester un peu le main nue. Pour voir un peu. Ah oui. Oh, oh, oh la violence. Ouais, je te les éventre quoi. Il y en a d'autres. Ça a pas l'air. Il est jouissif comme jeu presque. Non mais c'est vrai quoi. Alors pop pop pom, on va faire ça. Hop. Donc ça c'est de la santé. C'est ça hein, ouais. Donc ça j'imagine qu'il faut le péter. Oh. Non. Faut tout simplement faire rond. T'arrives toujours pas à ouvrir les portes, hein. Silence. Il remet à sa place à tous les coups. Mais j'ai pas ma hache en fait. N'avait pas un derrière moi, ouais. Ah, on a un ciblage. C'est ce que je cherchais. Avec R3, on peut cibler. Mince. Hache inefficace. Yeah. Excellent. Je me suis pas fait toucher. Et je t'ai dit de te taire. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à casser? Non. Alors, j'ai encore un peu de mal avec toutes les touches à gérer, mais ça va quoi. Retourner à la maison. Alors par contre, au niveau de la durée de l'épisode, j'ai mon téléphone portable qui me sert de chrono qui m'a lâché. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Donc je vais continuer un petit peu, puis on arrêtera là pour ce premier épisode. Je ne sais pas. Maintenant tais-toi. On est presque à la maison. Donc on est presque rentré à première vue. C'est notre maison ça? Ben oui. C'est notre maison. Allez. Allez, rentre.
les transitions entre les cinématiques et le jeu, mais il n'y a pas de transition. Enfin, c'est juste incroyable. Incroyable. Alors, on voit qu'on donc, on va regarder un peu les menus, puis on va conclure là-dessus. Donc, on a nos armes, donc avec nos haches, enfin notre hache, pardon, donc avec plein de stats. Voilà, force, rune, défense, vitalité, chance, récupération. HP 100, donc ça c'est. Je sais pas si c'est nous ou Atreus. Donc hache Léviathan, arme puissante offerte à Kratos. Donc poignée en bois, héritage familial. D'accord. Alors ensuite on a. Ça c'est Atreus avec son arc. Ok. Au niveau des armures. Donc on revient sur Kratos, épaulière, gants et jupette. Et ça, je sais pas ce que c'est, talisman, d'accord. Et donc si on va sur Atreus, lui, il a juste sa tunique. Ok. Les compétences. Donc pour l'instant, alors on n'a pas de points, je dirais. Donc on a les compétences pour la hache, pour le bouclier et pour l'arc d'Atreus. Ok. Ensuite, la carte du jeu. Donc on peut ouvrir le journal. On peut dézoomer, zoomer. Les options. Ah, on peut sauvegarder comme ça. Ça, c'est cool. Donc pardon, je reviens ici. Donc Midgar, résumé, artefact trouvé 1 sur 34. Coffre des Nornes 1 sur 17. Donc carré, ouvrir le journal. L2, R2, afficher tout. D'accord. Donc là, dans la région de Fauvebois, on a 3, 5 zones à explorer, dont 2 déjà découvertes, avec 1 sur 1 au niveau des coffres et 1 sur 4 au niveau des artefacts. Alors, les objectifs. Donc, on l'a déjà vu un peu tout à l'heure. On a la quête principale. On a. Pardon. Les services, donc on sait pas ce que c'est. Les travaux, donc là on a déjà pas mal de choses à faire. Les cartes au trésor et les artefacts. Pour l'instant, artefacts, on en a 1 sur 4. Alors je sais pas si c'est dans tout le jeu, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Ensuite, le codex avec les entrées concernant les monstres et compagnie. Donc là, le bestiaire, là, les histoires. Ah, les fresques en l'occurrence, pardon. Et on a un onglet ressources. Donc sur nous, alors la fameuse pomme et les ressources, pour l'instant on n'a rien. Très bien. Et donc je peux sauvegarder comme ceci. Nickel. Mais du coup, on va se laisser là-dessus, les loulous. J'espère que ce premier épisode, un peu surprise pour vous, parce que c'était pas du tout prévu de faire un let's play sur God of War après sa défaite dans les votes. Bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je suis bien emballé par le jeu. Le jeu est juste magnifique. Les doublages sont très sympas. Les combats, une fois je pense qu'on se sera bien entraîné et bien pris en main, devraient être extraordinaires. L'ambiance est juste géniale aussi. Enfin voilà, le jeu est trop beau. Trop trop beau. Graphiquement, c'est une tuerie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu les loulous. Et puis bah du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!